What's up, j'internet, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui pour un nouvel épisode aujourd'hui en compagnie de personne. Donc un abonné fidèle qui voulait me faire un don. Je me souviens de ton pseudo, c'était Tinex quelque chose. Je vais te trouver. Et puis aujourd'hui, ouais, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire les amis. J'ai un pillage, tu recrutes. On va se taper à lui, on va voir s'il rigole. S'il rigole pas, puis il y a vraiment un pillage. Peut-être, j'ai en internet qu'on pourra le recruter. Malgré que je suis pas modo vraiment du truc. TP-moi pour over, je te fournis le stuff, t'inquiète. Ok, TP un miroir. Imaginez, il nous donne vraiment du stuff. On le 1v1, on le bat, on garde tout le stuff, puis on s'en va en courant. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, hein? Oh, c'est lui qui voulait me faire un don. Oh. Rip. Bon, on va. Tu vas rec. Oui. Attends. Deux secs. Ok, let's go. Bon, ben, c'est tant qu'il me donne des potions. Pourquoi pas s'amuser un petit peu? Je vais lui drop. Tech. Une pump sheet. Comme ça. Comme ça, j'en utilise une. Attends, repasse, popo et tout ça. Ok. Ok, voilà. Je vais aller me TP à Tinex pour prendre le don, puis on va faire 1v1 contre lui. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ok, je vous reprends après. Oh, attends, il vient d'accepter. Ah non, attends, je vais me ça va me téléporter, je vais perdre tout. On se part. En cas d'échange sécurisé, nous avons remercié d'ouvrir un coffre. Je reviens. Attends, tu rec. Oui, je rec. Tinex. Deux bananes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami. TP Cartman. À tout de suite. Oh, Cartman. Si vous vous souvenez de ce gars-là, je me souviens de lui. Je pense qu'on avait PVP contre lui dans un des épisodes. Pas assez. Es-tu prêt? Oui, chef. Oui. Je veux toujours des dons, je suis pauvre. Oh, 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 les amis. Deux skill bags. Oh, 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 les amis. Plein de starmer, plein de stuff, les amis. Oh là 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 là, les amis de l'internet. Ok, les amis de l'internet, j'ai comme eu un peu trop de stuff. Wow. Très généreux, ce jeune homme. Wow. Wow, les amis. Je pensais jamais que ça m'arriverait un jour, mais... Je vais lui redonner les flèches. Je suis gentil. Merci, Cartman. Merci, Cartman. J'ai plein de stuff, les amis. Ok, je vais me re-TP à miroir et j'ouvrirai les skill bags. Donc, j'ai eu un casque anti-salium et une épée anti-tacite. Donc, j'ai vidé mes coffres pour pouvoir mettre les dons des abonnés fidèles. Donc, mon coffre était rempli de stuff pas enchanté et de stuff comme ça, avec des livres. J'ai jeté l'émeraude qu'il m'a donné, parce que bon, je pense pas que ça sert à quelque chose, l'émeraude. On va pas se le cacher, les amis, je pense pas que ça sert à grand chose. Mais au moins, j'ai toutes ces stuff qu'il m'a donné, sont toutes là. So, ça, c'est cool, ça fait plaisir. Et j'ai omis ici sa pioche, que vous avez sûrement dû voir. C'est un piège. C'est un piège. Il essaie de me trapper. Je sens que c'est un piège, mesdames et messieurs. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est un piège. Ok. Ok, bon, en plus, c'est mon youtubeur préféré. Ok, attends, je vais PVP. Prêt? Oh my god, les première fois que je fais un RBR contre un abonné fidèle. Ok, je te suis. Ok, go. Prêt? Bonne chance, mon ami. Je vais quand même redonner le stuff si je gagne après, hein, les amis. Je suis pas un fils de pute. Il drop assez vite, quand même, en potion d'envie. Nous aussi. On a un peu plus d'avantages sur lui, je pense, par exemple. On va pas se le cacher. On va juste prendre ça, prendre ça.
Oh shit 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 shit, what the fuck? Oh wow wow, calme-toi un peu là. Je suis habitué de PVP en stuff acide, so. Oh shit, what the fuck? So, ça fait un peu changement, je vais pas vous le cacher, d'avoir ce stuff là sur moi. Je suis pas habitué de perdre mes cœurs aussi vite. Normalement le stuff titacite il perd pas autant de cœurs. Il est plutôt plutôt normal. Il me reste juste ça. Ok, parfait. J'ai un peu mal géré mes potions, on va pas se le cacher. Mais bon, c'est pas grave. Le but ça va être d'utiliser la pump cheat en dernier. Le dernier qui va utiliser c'est la pump cheat. Oh shit. On est dans un gang, c'est un peu énervant, mais bon, c'est mieux que rien. Je suis désolé si vous entendez du bruit en haut, les amis. Hop, belay. Peut-être que c'est une bonne stratégie de bouffer des pommes comme ça tout le temps. Ouais, je pense que c'est ce que vont faire. Ouais, je pense qu'il va gagner contre nous, les amis. Il y a beaucoup plus talent PVP que nous. Hop, belay, what the fuck? Ok, on va sortir enfin du trou. On le domine au début, mais après il a repris vraiment le dessus sur nous. Ok, il a pris une pump cheat, je pense. Allez, let's go. Oh shit. Voilà. C'est ici qu'on finit, les gars. Ah non, on le finit pas maintenant. Fuck. Oh, what the fuck? Qu'on est dans un mauvais terrain. Ah, remonte. T'inquiète, j'avais compris qu'il fallait que je remonte, mon beau garçon. Ok, je suis vraiment pas dopé. Et puis, les gars, faut vraiment que j'aille m'acheter un vape client ou quelque chose de mieux. Parce que ça fait vraiment dur mes talents de PvP player. Ok, c'est bon, je suis mort. Bravo. Bravo. Je suis très, très pas doué au PvP Minecraft. Je l'ai fun. Je vais me suicider. Yo, donc, finalement, je vais... oui. Bon, alors, tu veux Skype avec moi, je veux rêver de te parler. TS, si tu veux. Je vais vendre mes trucs, donc HVTV Create. Je vais mettre mes pièces à spawner pour 3500 chacune. Je pense que c'est un bon prix. J'ai mis des pièces à spawner 3500 chacun. Go, go, go. Aussi, je sais pas si je vous l'ai dit, mais regardez toute l'XP que je me suis ramené. Donc, je pense qu'on va se farmer sûrement un P4 aujourd'hui. Je vais essayer d'acheter un peu de météores et essayer de faire peut-être un plastron de météores. Ou sinon, on va juste prendre du titacite et faire du titacite. Il nous manque un justement, je crois. Mais je pense qu'on a un minerai ici. On n'a pas de minerai qui traîne de titacite dans nos coffres. Attends, je vais voir la BP. Mais je vous dis ça, puis on va se former un P4 tout de suite après. Yo, so, j'ai décidé que j'allais faire des coffres cachés, les amis. So, je vais enchanter quelques petits items. Donc, j'ai déjà commencé un coffre, je vais rajouter ça. Là, je vais enchanter ça au niveau 30, voir si je peux pas avoir un P4. Je vais vous le mettre aussi dans un coffre. Je vais faire un coffre pour les joueurs qui sont connectés en ce moment. Donc, je vais aller genre un peu plus loin que la Warzone. Puis, je vais poser tous les items du coffre, etc. Et je vais en faire un aussi pour vous, les amis. Donc, je vais m'éloigner un peu plus quand même, genre pour pas qu'il soit trouvé immédiatement. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant. P3. Ok, c'est pas si mal. Fait que je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai déjà débuté à faire. Et vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Donc, ça c'est ce que j'ai commencé à mettre dedans. Donc, un full P4 avec quelques parties U3. Je vais rajouter la sharpness 5 quelque part ici. Je sais pas trop où ce que je vais la mettre. Sûrement ici. Je mettrai... Attends. Peut-être ça là, je mettrais un autre Sharpness 5 peut-être là. Attendez, j'ai peut-être un Sharpness 5. Ouais, j'en ai un autre. Fait que j'en mettrais genre 2. Dans ce coffre-là, j'en mettrais 2. Je mettrais aussi un arc nausée. Attends, ouais, parce que ça, c'est un arc anti-backup. Ça, c'est un arc vraiment cheap. Je mettrais genre 4 stacks de bouteilles d'XP. Parce que c'est quand même cool d'avoir de l'XP pour faire des livres P4. Et... après ça, je sais plus trop quoi mettre. Ben, à la base, je voulais mettre un disque d'Oxybus, mais je pense que c'est pas trop rare si on s'en bat les couilles un peu de ça. Je pourrais mettre des joints, donc je pourrais mettre genre tac, 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 comme ça. Puis qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je suis désolé pour le bruit au-dessus, hein. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je sais pas ce que je mettrais d'autre. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Je pourrais remplir le reste d'obsidienne, tiens.
Puis de toute façon, on n'a pas de BP, fait que tout le reste, ça va être rempli d'obsidienne. Ça va être, ça serait un coffre caché pour vous, la vidéo. Puis celui-là, ça serait celui-là que je vais faire tout de suite après. Donc, je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais leur mettre à eux, en vrai. Fait que je vais continuer à enchanter les affaires niveau 30, essayer de voir qu'est-ce que je peux enchanter pour leur donner. Puis je vous reprends tout de suite après. Yo, what's up? Notre ami Chicken ici veut nous faire un don. So, voyons voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Oh! Il y a du space! Ouh! Ouh! J'ai l'internet, il nous a donné un space! Oh my god, oh my god, oh my god! Les gars, je pense que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je pense qu'on pourra se crafter des bottes en space, P4. Merci. La perle de météore. Oh, merci beaucoup, Chicken. Merci, Chicken. Tiens, je te donne ça en échange. Message, Chicken, cadeau. J'ai un nom pour toi. Je suis au Halls. Viens. OMG, guys. Je pense que si on prend ça, je sais plus comment, mais je pense que je vais me souvenir du craft. Puis on pourra faire un... Oh, oui. On va faire un P4. Oh my god. OK, parfait. Je suis trop excité, les gars. Il y a deux abonnés fidèles ici, les amis. Tu refuses, tu me répugnes. Quoi? Message, juste QC. Ah, ça fait plaisir, Chicken. Merci. Miss Piggy. Je suis sûr que c'est un gars qui se cache sous l'identité d'une femme. C'est clair. Ouh! Oh my god. Miss Piggy. Miss Piggy, si tu es une femme, je te fais l'amour. Sinon, cela est très étrange, mais merci. Oh my god. Thanks, mate. Ça fait fucking plaisir, man. Add-moi sur Snapchat pour Diddy Boobs. Et 21 000! Oh my god, les amis. Oh my god. OMG. Oh my god. T'es sûr? Shit, mate. Fume-moi un joint. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle. Oh, j'ai vendu quelque chose. Mail. Damn. Je suis devenu riche de 10$. Je vais lui faire un cœur. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Miss Piggy. Ok, les gars, c'est le moment de vérité. Est-ce que je vais être capable de crafter mes premières bottes en space? Faut que je me souvienne du craft, ok? Un instant. Ça me prend du... Ok, c'est bon. Ça plus ça de chaque côté. Ça dans le milieu. Ça en bas. Puis ça en haut, je crois. Non, l'inverse. Je pense que c'est comme ça. Non. Oui! Je l'ai, le space, les amis! Yes! Attendez. Est-ce que on va vraiment avoir des bottes en space, les gars? Les amis, l'internet. Je pense que c'est réel. Les amis, ceci n'est pas un prank. Prank gong wrong. On va spawn, les gars. Truc de fou. Oh, Jésus, Marie, d'où ma douce souffrance. Viens ici que j'ai les bottes. C'est tout de suite grâce à Miss Piggy. Miss Piggy, si t'écoutes cette vidéo-là, t'es vraiment une femelle. Je te remercie. Je te ferai l'amour tous les jours de ma vie, jusqu'à ma mort. Bon, les amis, OMG. On a des bottes en space. Oh, OMG, guys. On va recollectionner tout ça. Puis on va essayer de se faire un full set en space avant la fin de la map. Ça va être notre but. Avant la fin de la version, ça va être notre but. Sinon, j'ai ces pièces-là que je pourrais combiner. En fait, j'ai ça que je pourrais mettre avec un livre P3 pour faire un P4U3. Et là, ça nous ferait un autre set. C'est ça que je voulais faire. Ça nous ferait un autre set, un autre début de set. Je pourrais mettre aussi la même chose pour celui-là. Je pense qu'il y avait un autre P3 ici. Même pas, c'est un Sharpness 5. Ok, il y a un autre P4. So on pourra faire un P4 en autre chose plus tard. Ça, on va le garder. Pour quelque chose de notre space, justement. Des livres U3, on peut mettre U3 là-dessus. Puis, là-dessus. So on va mettre U3 là-dessus. 12 niveaux. C'est parti. C'est bon. On met ça là-dessus, là-dessus. Boom!
Ensuite, ça coûte combien de niveaux ça? 10 niveaux. On met 10 niveaux là-dessus, les gars. Puis, on se retrouve pour les coffres cachés comme j'avais prévu au départ. Ok. Donc, on va PVP contre ce gars-là. Miss Piggy. Donc, viens. Attends. Tiens. Prends ça. Comme ça, chacun d'entre nous peut avoir un joint. Et puis, on peut combattre jusqu'à la mort. Oh my god, je suis tellement con. J'avais une Regen 5, mais j'ai préféré prendre une pomme pour enlever la Regen 5. Vraiment con. Oh, faudrait pas que je mange les 32 niveaux. Oh! Quick drop! GG. Bien joué, Messi Piggy. Juste QC, dédié. Dédicace, mon copain de l'interweb. Dédicace, copain de l'interweb. C'est pas... Ouais, mais Speaky, c'est le gars qui nous a fait que le fucking gros don juste avant, man. Holy shit. Bon, on se retrouve. Bonjour, modérateur de Skill PP. J'aimerais vous montrer Skill... Just QC, il s'amuse à me spam de Diddy. Donc, j'aimerais qu'il soit dérangé pour spam YouTuber MP. Merci, bonne fin de journée. Les gars, j'ai décidé que j'allais juste faire un coffre. Celui-là, on va le faire pour une prochaine fois. Parce que je trouve que celui-là est vraiment bien. Puis celui-là, il est pas trop bien. J'ai pas beaucoup de stuff, quoi. Je suis vraiment pauvre. Ça serait pas juste, dans le fond, de faire un coffre super bien pour les gens qui regardent la vidéo. Puis ceux qui sont connectés en ce moment un peu moins bien. Fait que, surtout que vous êtes super gentils. Vous me parlez tout le temps dans le chat et tout. Je trouve ça vraiment gentil. Ça serait vraiment pas correct de ma part si je faisais pas ça. Je pourrais même rajouter des pump cheats, en fait. J'avais pas vu. Mais je pourrais peut-être rajouter des pump cheats dans ce coffre-là à la place peut-être des... Qu'est-ce que je pourrais remplacer? Peut-être à la place de la TNT. Je pourrais mettre peut-être 4 pump cheats. Ouais. Je pense que ce serait mieux ça. Hein. Vous préférez ça, je suis sûr. Je le sens venir à 1000 à l'heure. Donc voilà, on va faire ça comme ça. J'ai quand même pas mal de TNT aussi hein, sur le côté ici. Il me reste plus beaucoup d'armure. J'ai peut-être fusionné la plupart en P3. Comme vous pouvez voir, c'est tout du P3. Fait que ça... Ça, c'est bon à savoir que comme ça j'ai quand même des armures si jamais je veux faire des petits PVP, des petits 1v1 contre vous, cher abo fidèle. Ça faudra fusionner sans P2, ça faudra mettre un casque P3 dessus. Mes pommes, ma patate pour les pillages. Et qu'est-ce qu'on a ici? Bon, je pense que c'est tout. Fait qu'on va aller cacher ce coffre là les gars. On va cacher ce coffre là puis je vous reprends dès qu'il est caché. A tout de suite. Hostie, je m'en allais placer le style coffre de merde, hostie, puis regardez où est-ce que je suis tombé. Dans le style d'anti-back AP. Tabarnak, que je suis pas chanceux, man. Je remonte, je vais cacher le coffre. Oh, regardez ça! Oh, oui, ça c'est cool. Ok, attends, c'est pas ça, mais regardez, ça c'est cool. Oh, attends, c'est pas ça. Ok, ça c'est cool, regardez, je suis bon au job, ok. Là, je vais juste m'humilier juste devant vous, là, je vais tout rater. On peut l'aider. Ok, c'est ce que je disais, attendez. On peut l'aider, je suis bon au job, ok. Regardez, on peut l'aider. Vous avez vu comment je suis doué? Tabarnouche. Ça prend un pro pour faire ce genre de jump là. Whoopelay, whoopelay, whoop. Non, je suis retombé. Ok, je recommence. Les gars, je vous le dis, je suis un pro. C'était juste un coup de malchance et que mes doigts ont glissé. Bien sûr, vous le savez, que jamais je raterai un jump pareil. Je suis beaucoup trop doué pour cela. Donc, voilou, 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 voilou. Whoop, 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 whoop. Whoop. Et voilà, les amis, je vous l'avais dit, c'était je suis un pro. Ok, regarde, je vais pas vous mentir, les gars, je sais pas comment sortir de l'esti du pompe. Fait que, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un ticket de téléportation aléatoire que j'ai ici qui traîne, voilà. Puis je vais aller au spawn, puis je vais me téléporter aléatoirement. Ok, attends. Parce que là, ça commence à m'énerver. Puis c'est là-dessus qu'on va se terminer, genre, donc, d'ailleurs, j'ai mis le stuff, hein. C'est là-dessus qu'on va se terminer, qu'on va se laisser plutôt. Parce que, voilà, on a quand même eu un gros épisode avec pas mal de dons, une séquence PVP et tout. On est en... Quelle coordonnée? Moins 5000, moins 5000. Ça va au calme. On va placer tout ça ici. Donc, on va cacher le coffre juste là. Et puis, vous allez devoir venir le chercher maintenant, les amis. Donc, je vous conseille de venir le chercher maintenant. Ce serait la meilleure des solutions. Donc, je vais arranger le coffre comme ceci, comme cela. Comment je l'avais arrangé avant? Comme ça, je pense. Yep, j'avais fait ça. Ou peut-être, non, j'avais fait ça. J'avais laissé un espace. Voilà, j'avais mis 4 pump cheats comme ça. J'avais mis 4 œufs de creep comme ça. J'avais mis de l'XP ici. J'avais mis de l'obsidienne. Allez, j'ai utilisé des bouteilles d'XP. Je vais aller en chercher d'autres, les amis, qu'aidez-vous pas.
Boom, badaboom. J'avais mis 2 T5 de chaque côté. J'avais mis 4 joints dans les coins. Donc voilà les coups. Oups, ça l'aille. Je vais aller chercher 4 bouteilles d'XP pour remplacer ceux que j'ai utilisés là. Sinon, les coordonnées, les amis, je vous les donne directement. C'est voilà, vous les voyez à l'écran. Donc vous venez chercher le coffre. Je vais mettre un 7 ohms. Coffre. Cette épée, home chest. Je vais aller juste chercher 4 bouteilles d'XP pour les remplacer pour pas que vous soyez fâchés. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode, les amis, en espérant que vous avez passé un bel épisode. Pour ma part, c'était vraiment un bel épisode. J'ai vraiment aimé ça, avoir les dons, surtout de Miss Piggy. C'était vraiment un gros don parce qu'on a enfin crafté notre premier space. Puis genre, peut-être que vous comprenez pas, genre, peut-être pour vous c'est super facile ou quoi que ce soit. Mais moi, je joue pas tous les jours, les amis. J'ai joue sur mon serveur, sur d'autres serveurs et tout. C'est beaucoup plus difficile qu'une personne comme vous, les amis, qui joue juste à skill PvP, de se faire du stuff. Moi c'est vraiment dur dans le fond, et on va pas se cacher, j'ai pas la force d'attendre 10 ans pour farmer du stuff ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je vends mes trucs exactement. Aussi, on est rendu à quand même 23 000 de monnaie, ça fait plaisir. On a peut-être des mails, ça, faudrait peut-être, non on a pas de mails. Donc ouais, on va continuer à vendre des trucs en espérant pouvoir vendre tout ce qu'on a et s'acheter plein de météores, plein de space et tout. Donc je vous dis à la prochaine. Si la vidéo vous a fait plaisir, laissez un pouce bleu, ciao, c'est Taïkon.